Il a parlé de 300 000 gouttes qui étaient tombées pendant fête fin d'année. 300 000 gouttes, non? Oui. L'université qui va tomber par 300 000 gouttes. Comment elle dit? Il va 300 000 gouttes. Comment elle dit? Nos premiers, ça ne va rien de 300 000 gouttes. Comment elle dit? Non, pas de 300 000 gouttes. OK. Au niveau de chambre députée à Jamdoula, administration chambre députée à Bureau, Bureau, tu fais un geste avec député pendant fin d'année, il n'y a pas de rapport à Comment elle dit? 500 000 gouttes. 500 000 gouttes pour chaque député? Oui. Pas pour le ministre lié, non? Et puis, est-ce que vous faites d'année à chaque député de 500 000 gouttes? C'est saleté. Depuis que Samuel Daïti m'a levé une boue, attendez. Maté, on dit que c'est magique 9 et qu'il n'y a pas de 5 cobs pour faire d'année. Non, il n'y a pas de 5 cobs. De nous demander. Non, 5 cobs du tout. Comment 5 cobs du tout? Eh bien, ça le dit oui. Bureau a fait des gestes. Parce non. Que, écoute, écoute, vous ne pouvez pas oublier. Et pas seulement Samuel Daïti qui a dit que c'est 5 cobs, non? Là, pour nous. Y a non, je ne vais pas dire l'autre député encore qui a dit ça. Député, qu'est-ce qu'on fait là? Alfredo Antoine. Il y a répondu nous. Tout ça lui parce que moi même Zouli en tant que membre de parti et député mais on peut dire que nous pas jeune c'est quoi? Non attends. Moi même moi Zouli comme vice-président membre bureau. Oui, ça veut dire 500 000 gouttes. Bureau t'es organisé yon subvention pour député au niveau de l'administration de la Chambre des députés. C'est ça mon oublié oui. Il oublié que nous administration tout oui. Oui, les jeunes comme la faut dire jeune ni. Ah bah on est. Ou qu'on est pas vous dire là. Ah bah on est. Bah on est chaque arrivé tout oui. D'accord, bah, et pas des mots, tu me démentis ou non? Ça, qui soit dit la député? Ça arrive que vous ne pas préparer ça. Si vous ne prenez pas au secours. Soit de faire avec 500 000 gouttes là. Là, je suis venu dans l'émission. Hein, je parle d'ensemble de questions que nous avons à répondre. Il faut me dire un premier bagage. Un parlementaire, ce n'est pas un gestionnaire de fonds publics. Okay. En particulier un député, ce n'est pas une question de fonds publics. Je ne suis pas même président de la Chambre, je ne suis pas questeur au niveau de la Chambre des députés. Je suis un simple député, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, tout l'argent qui tombe dans le même en tant que député. Pourquoi aussi simple que ça, président de commission environnement. Oui. Okay. Aussi simple que ça. Pas aussi simple que ça. Mais le président de commission ne gère pas des fonds publics. Oui. C'est-à-dire, tout l'argent qui tombe dans mon parlementaire, il tombe dans le même à titre d'indemnité. C'est-à-dire, pour magistrat. Okay. C'est-à-dire, si je commence à expliquer qui ça me fait avec tel ou tel fonds, l'autre semaine, je vais me demander 4 téléphones du moment. Qui est-ce que je vais laver? Est-ce que c'est ménage moi? Est-ce que c'est bail public? Je vais me demander gaz, je vais qui côté ma laver. Et ça, il y a des cas de ça, mais nous ne pas de ça. Parce que tout ce que je dis là, c'est comme avec quoi, tout le monde a regardé là, c'est trésor public. Donc, ou avez compte en tant que député, ou avez compte pour toutes les gouttes dépensées. Mais nous ne pas arriver là. Nous, c'est vraiment 500 000 gouttes qui étaient débloquées pour député pour faire d'année. Qui ça, ou même, vous avez fait avec pour là? Ça arrive à l'avenir, on a fait avec 4 euros, avec toutes les questions. Mais pour aujourd'hui, c'est pour 500 000. Moi, je suis un parlementaire qui prend un temps, qui répond à tout type de questions. Moi, je suis dans une interview, je ne suis pas dans un interrogatoire. Je décide de ne pas répondre à cette question et je te demande d'avoir l'amabilité de passer à la question suivante. Mais bien sûr, on n'a pas ça en autre question. Je décide de nous, dans l'émission, de réaliser avec vice-président de la Chambre des députés, Caleb Diramo. Côté que, il t'a parlé de quoi qui débaille pour fin d'année, par les députés. Il dit, vice-président, on n'a pas il dit que chaque député a gagné 500 000 gouttes dans mes de subvention. Et nous avons une émission de réaliser ensemble avec vous dans Magique 9. Vous avez dit jamais, vous n'avez pas de comme ça, pas de subvention qui te baille pour faire l'année. Vous avez toujours aimé ça? Même après Joe, même ça, que je suis là, et bien content que ce n'est pas seul moi-même comme député. Et tu as l'autre collègue député qui était Samuel d'Haïti, ou dit matin, je me rappelle que dans l'émission ça, ou dit Samuel d'Haïti, député, oui, ça, oui. Matin, on dit que pas de bien. Donc, oui. Moi-même, moi maintenu, même déclaration, si je dis que par contre, il y a une subvention qui baille au niveau de la Chambre des députés, c'est menti. Mais pour la fête de fin d'année 2018, député Alfredo Antoine pas trop recevoir subvention de 500 000 gouttes dans la Chambre des députés. L'ité n'a pas de prendre ou bien pas de recevoir? Pas recevoir. Et il y a l'autre collègue qui pas qui pas trop recevoir, il pas trop. Vous ne connaissez pas comme ça existe. En subvention. Bonjour. L'offre de décembre, on va regarder pour est-ce que vous avez. Non, non, Bradjo, une subvention, c'est un bail qui est légal au niveau budget, que nous votons. Mm. Donc, si le vote, c'est pour député, donc, je ne pas recevoir. Je ne pas bon qui a recevoir subvention après, je vais prendre un chèque, même en caissier, la banque, et qui va le retourner sous chèque privé, qui va le faire de chèque commercial pour me dire, je retourne un chèque là. Dans mes... Non, si je prends, je tape signé. Et au tapouet. Donc, nous permettons. Ou pas regarder pour essayer si on est capable de mener enquête au niveau administration
Parlement. Enquête pour qui ça? Non, madame. Pour me garder sous tes bras? Non, justement, si un chèque. Non, ça. Non, si un chèque qui était sorti. Ou du papier. Non, non, non. Si un chèque qui sorti sous nom député Alfredo Antoine. Même, et ça, qui ça, gagne ça, 500 000 ça me demande ça m'a besoin d'une enquête, puisque nous avons Jésus-Christ ensemble, ça m'a besoin de passer par Saint-Pierre. Nous avons ensemble avec. La réponse est non. On va recevoir 500 000 gouttes. Ni pas de chèque qui te mette sous nom pour non, ça? Non, pour la fête de fin d'année, non. Et je ne pas moune que l'État peut mettre chèque sous nom au niveau Chambre des députés, qui a pour retourner par la suite. Parce que c'est illégal. Sauf des députés, Caleb, qui te dit tout le monde venir.